Salut à tous, ici Rizou et Solis. Donc ouais, Solis il est là avec nous, il parle. Salut à tous. Enfin voilà. Donc là on va commencer notre premier épisode de notre chaîne YouTube Rizou et Solis. Donc on va présenter vite fait la chaîne. Donc déjà on va faire un let's play sur Lara Croft et le gardien de la lumière, c'est ça? Oui voilà, ça, un petit jeu sympa qui était en free to play sur le Xbox, je me rappelle. Non, il était pas en free to play, il était gratos en téléchargement. Il était gratos, ok. Moi je le connais pas, ouais. Le jeu. Moi je connais pas non plus, donc on va découvrir. Enfin si, j'ai testé 10 secondes, une minute quoi. Et donc dans la chaîne il y aura genre 3 ou 4 let's play dans la semaine. Oui. Enfin pour l'instant 3. Donc il y aura un let's play où je ferai tout seul, un let's play où on fera Swiss et moi tous les deux pour l'instant sur Lara Croft, et un let's play sur Borderlands 2. En gros, voilà. Et plus tard, il y a moi qui aura aussi un let's play tout seul de mon côté. Quand il aura l'argent pour s'acheter un HDPVR. Voilà, exactement. C'est pas... Ouais, ça prend un peu mon temps. Donc, ouais. Donc on va lancer le jeu. C'est une chaîne spécialisée, bien sûr, dans le let's play. On ne sera pas spécialisé dans un domaine particulier. La tombe de lumière. Bon, je crois qu'on va faire un niveau par épisode. Ouais, dépend, ça, c'est long. Il me semble qu'il dure pas longtemps. J'ai fait le premier et le deuxième niveau, je crois. Ouais, bon, on verra bien de toute façon. Mais non, mais l'idéal ce serait un niveau par épisode. Alors, défi récompense. Oh, un succès! Mais dis donc, un ami dans le besoin. D'après les légendes aztèques, la région qu'on appelle le Yucatan serait un ancien champ de bataille où les fidèles de Totec, le gardien de la lumière, livrèrent une guerre sans merci contre les forces démoniaques de Zoloth, le gardien des ténèbres. Il est écrit que Zoloth invoqua la puissance d'un ancien artefact, le miroir de fumée, pour faire apparaître à ses côtés une horde de monstres tout droit sortis des abysses. Les guerriers de Totec furent massacrés lors du combat qui s'ensuivit, mais Totec réussit à survivre. Il trouva un moyen de retourner la puissance du miroir contre le dieu maléfique. Zoloth y fut ainsi emprisonné, et les descendants de Totec bâtirent ensuite un puissant empire qui survécut jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Quant au destin de ce miroir de fumée, les textes anciens restent assez vagues. Il aurait été caché dans un endroit secret. Le miroir serait perdu pour toujours. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est que tout finit toujours par se retrouver. Le voilà. Après des semaines d'exploration dans la dangereuse jungle d'Amérique centrale, j'ai enfin retrouvé le miroir de fumée. Il ne paye pas de mine. Mais voilà une autre de mes leçons. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Une leçon que ces types aussi ont retenue. Voici Vasco, le seigneur de guerre local. Ça fait des années qu'il cherche le miroir. Sans succès. Mais je n'étais pas là pour l'aider. Vasco n'est sûrement pas un grand lecteur. Il n'a pas l'air d'avoir entendu parler de la malédiction. Ou alors, il n'y croit pas. Zoloth, montre-toi. Ah, tu n'es pas digne, Totec. Aurais-tu déjà oublié notre dernier combat, Zoloth? Un nouveau jour se lève, et bientôt, la nuit s'abattra une dernière fois sur ce mort. Quand l'intro, je la trouve belle. Une idée des ténèbres que tu as libérées. Zoloth va noyer ce monde dans un bain de sang. Tu en fais vraiment des tonnes. Il y a sûrement un moyen d'arranger ça. Zoloth doit être emprisonné dans le miroir, et retrouver sa place avant le lever du jour. C'est le seul moyen de l'arrêter. Recule! Ce n'est pas à une femme de faire ça! Tu ferais peut-être mieux de reculer, à moins que tu n'aies envie de dire adieu à ta jupette. Éloigne-toi de cette porte ou cette bombe ne va pas se contenter de froisser ton ego. Ça, c'est ma magie à moi. Tu en poses une et tu files te planquer. Ok. Ok, je vais peut-être. En gros, voilà. Je vais juste peut-être mettre les sous-titres pour que c'est mieux quoi. Sous-titres avec. Donc en gros on est Lara Croft qui doit sauver le monde, voilà quoi, comme dans les films. Lara Croft. Avec l'autre joueur avec qui était... Big Boobs pour les intimes. Attends. J'ai un blème. C'est quoi? Non, j'ai pas quitté le jeu. Pourquoi ils me mettent dans le menu un truc que je veux pas? C'est quoi, j'appuie sur ça pour changer les options et qu'est-ce qu'il me fait? Ils me disent quitter le jeu. Non, bah c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout.
On traduira pour les abonnés, t'inquiète pas. Non mais j'arrive plus à revenir. Non mais t'es sérieux? Oui. Oh la merde. Bah attends, on fait Nilix. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, ça y est. Oh putain, elle nique voilà. Ça, ça. Alors, comment déjà les vous avez vu, Rizou, c'est le noob du duo. Voilà. Quoi? Alors, attends, c'est la première vidéo, tu te la pètes déjà? Putain, il m'a tué en fait. Oh, regarde, lui, il a le pistolet, moi, je suis... Toi, t'es Kirikou. Y'a un truc ici. Hop, 2000 points. Ah, y'a des pièces. Une petite pièce. Yes. Bon, allez, donne-moi l'argent, femme. Bon, alors, je sais pas du tout comment on joue. Donc, oh, le sexisme. Allez, femme, tu peux voir. Ouais, j'ai posé une bombe, hein, ça se voit pas. Vas-y. Ah oui, merde, ouais. Non, tu vas péter ça. Hein. Ah, t'es. Ok, d'accord. Ah, je pouvais pas me le dire, toi, oui. Je sais pas se passer pour un coup. Bon, c'est bien, bouge-toi. Allez. On aille retrouver ton petit. Ah mais ils sont sérieux que j'ai une arme pourrie par rapport à toi? Non mais en fait toi tu vas me servir. Toi tu vas être mon soumis. Bah oui, il va te faire enculer. C'est cool. Bon. Oh un crâne. Oh putain. Ouais, vas-y, fais-toi exploser la gueule. C'est un jeu avec des énigmes. Ah, j'ai cru que c'était un jeu avec des énigmes. Donc en gros, Rizou, faut être intelligent, tu vas pas me servir. Ah, c'est qui vient d'avoir son BTS? Ah, voilà. Eh, c'est moi qui fais péter, tu prends mes pièces. Bah, ouais. Vas-y, fais ton bouclier. Attends. Tu vois, tu sers à rien. Ouais, vas-y. Mais on a des mines à l'infini? Je sais pas. Je sais que ta lance et mon pistolet j'ai à l'infini, après on débloquera des dents. Dans ton sang. Ok. Donc ce jeu il est toujours gratuit ou faut le payer maintenant? Ah bah non, ça dure que 15 jours, tu sais, c'est des jeux qui pas pour 15 jours. Ah, okay. Tous les 15 jours, tu vois, il était gratos temporairement quoi. Donc, je sais pas au prix qu'il est maintenant, mais il doit pas être. Il doit être à 10, 15, je pense. 10, 15 euros. Donc, ouais, c'est un jeu. Franchement, c'est un jeu sympa pour le prix quoi. Bah, surtout à deux. Ouais, bah, en fait, faut faire à deux, faut pas le faire tout seul, tu te fais chier. Ouais, bah, comme tous les jeux de cop. Hop. Là, on fait un duel de points entre celui-ci et moi. Même si je me suis fait troller un moment là, je sais pas pourquoi. Vas-y. Attends, vas-y. Contre le mur. Ok. Oh, mais t'es. Ah oui. Ah, d'accord, j'ai pas besoin de sauter. Okay. Voilà. Oh, en fait, c'est un noob. Attends, non, mais c'est surtout que mon personnage c'est un vrai soumis, tu vois. C'est ses limites, elle a accroché au cou et voilà. Non, mais tu fais des scripts, la noob. Commence pas toi, tu vas voir toi. Parce que sans moi tu pouvais pas monter. Eh, c'est moi qui ai les gros seins, ok, c'est pas toi. Ouais, donc c'était un trans quoi. Baby Swiss, elle n'est pas un homme, c'est une femme. La révélation du jour. Mais non, mais j'ai Lara Croft, les gros bouffes de Lara Croft, pas les miens. Oh. Ouais, moi j'ai une lance, une très longue. Mais en vrai, t'as une lance trop petite. Non. Oula. Attends, déjà, des comme ça. Qui est ton grappin? Là, tu l'utilises. Oh, vas-y. Monte sur mon fil, vas-y. Et ça fait quoi? Ça ouvre ça. D'accord. Après, j'ai eu des effets qui étaient quand même pas mal durs. Ah ouais, t'as déjà commencé un peu le jeu. Okay. En fait, je l'ai fait avec un pote vite fait. Enfin, les premières missions, mais en fait, il l'a vite fait parce qu'il l'avait déjà fait aussi, du coup, il connaissait tout par cœur. Oh, bah, ça a été facile pour toi.
Ah ouais, mais du coup, j'ai pas suivi, je me rappelle plus de rien. Ouais, parce que t'as une mémoire. Par contre, j'ai débloqué des armes. Merde, putain, je me trompe, voilà, raconte. Toi, au moins, moi, je one shot. Presque. Ah non, je one shot. Attends, je vais sortir mon. Ah non, presque. Regarde, je sors mon fusil à pompe, tu vas voir. Est-ce qu'on peut changer d'arme? Attends, pourquoi je peux pas tirer avec? Je peux pas. C'est quoi ce troll? Tu peux pas changer d'arme non plus? Oula! Téléporté. Oh, ça fait ça. Je te vois te téléporter. Ah bon? Ouais. Moi je sais pas, moi je vois tout normal. Ouais, t'as tout aussi. T'as une coupe papy, toi. T'habites en village, ta gueule. Bah, moi aussi, mais je suis pas une coupe de. T'as piqué tous les kills. Piqué tous les kills, allez, vas-y, t'es jaloux. Ah bon? Oui, j'ai compris. D'accord, ok. En gros, tu jettes une truc contre le mur, ta grosse lance. Je peux faire pareil? Non. Mais non. Ah ouais, toi tu dois utiliser les grappins. Ah, parce que je suis trop lourd. Ouais. Quoi? T'es con, toi. Ces artefacts étaient autrefois utilisés par les guerriers pour améliorer leurs compétences au combat. Ah là, t'améliores ta compétence avec des artefacts. Ouais, mais c'est quoi ce troll? Toi, t'as 3 armes et tout, tranquille, moi j'ai une. Non, moi je dis, y'a du favoritisme. Non, pas dire ça. Si, 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 y'a du favoritisme, ça se voit. Ouais, me prends pas pour un con. Hein. Mais je peux pas utiliser encore mes armes. Ah, je comprends pourquoi ça voulait faire ça. Parce qu'en fait, quand t'es sur pause, je suis obligé d'attendre que tu quittes pause pour que je quitte pause aussi. Oui, okay. Et j'avais pas envie de... Attends. Hop là, vas-y. Voilà, voilà. À tes souhaits. Sur la plateforme. Bon bah faut un objet lourd dessus. Apparemment. Non mais cherche pas, parce que quand on fait ça, ça se referme. Donc il faut Y a ça. Alors attends. Tiens bah ça m'appelle légèrement ton Mother Legend. C'est un gros boulot, tu dois dépasser. Ouais, 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 et les boules, tu devais aller chercher méga haut, je m'en rappelle. Ouais. Ce jeu-là, j'ai galéré pour le finir. Vas-y, vas-y, viens. Tiens. De quoi, t'as galéré pour finir ton mode de Legend? Dans les dernières missions, j'ai un peu galéré sur des ennemis. T'es nul? Tiens, ta gueule. C'était beaucoup plus simple que. Prends ma grosse boule. Vas-y. Attends. Ah attends. Mais par contre, le dernier Tomb Raider, quand elle est jeune, là, je l'ai pas trouvé terrible. Celui-là fait par Square Enix? Quoi? Celui-là qui a été fait par Square Enix? Je sais pas. Dernier, sur une île. Oui, sur une île, ouais. Où t'es jeune. Ouais. Bah, la vie est bien et. Enfin, je l'ai pas joué, j'ai vu jouer quelqu'un sur Xbox One. Mais génial! Je sais pas, non, mais déjà, elle a plus les gros seins sur celui-là, tu vois. Putain, mais toi, tu penses qu'à ça, c'est pas possible. Mais non, mais elle est connue pour ça, tu vois. Alors, c'est ça qui a fait qu'elle était connue. Hein. Attends, je suis en train de me concentrer. T'es en train de foutre quoi là? Je sais pas. Non mais tu t'es pris pour une sorte de et tout à courir sur le mur. Mec, tu fous le connard. Je le sentais bien ce coup là, je le sentais bien. Non mais je rêve. Fonctionner de Zolot. Ok. Ok, j'appuie là, t'actionnes. Vas-y, actionne.
Yeti. Je suis mort. Non mais c'est bon. Action l'autre là. Non bah j'y vais. Oh putain non j'y vais pas. Eh, Vas-y, action. Dépêche. Ah c'est pas sûr. L'autre. Mais non mais t'es une pute toi. Voilà, je suis mort. T'es mort. Je crois que ça m'a one shot. Ah merde. C'est dommage. Appuie sur une touche, c'est marqué. Ah. C'est vraiment un noob. C'est qui a mis un plomb pour activer le truc? Attends. Hop. Ah non, c'est moi qui vous dépasse. Ah non, oui. Oui, t'as la corde. Vas-y. Comment on saute, femme. Comment on saute? Non mais... Tu te rends compte la question bête que tu poses? Comme presque tous les jeux. Ah. Il est fou lui, il a fumé un joint. Pas possible. Oh ma boule. Et alors? Yo, ma combo boule. Ok. Recule. Ah oui, alors lui. Après, il me parle d'intelligence. Il veut parler d'intelligence. Et l'autre reparler d'intelligence encore. Faut échapper. Vas-y. Non, faut qu'il aille. Va chercher le crâne. Ouais, lâche-moi. Non, mais hé hey. Saut de l'ange en plus, j'ai fait. Oh, attends. Il faut le crâne. Quoi, c'est important? Ouais, tu gagnes des trucs, je crois. Trouver 8 crânes, 10 crânes, j'en balance en 2. Il passe de l'autre côté. Putain de merde! D'accord, vas-y, dis. Ah, je suis mort! Vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Là, tu vois? Oh! Vas-y, tire! Ah bah non, mais ça change rien. Attends. Oh! Voilà. Ah, je croyais qu'il fallait que tu retires, mais non, mais en fait, je suis con. Ah! Après, faut retirer! Vas-y, avec ta lance. Oh, n'espère pas trop. Et je me ferai un manteau de cette belle peau blanche. Tu peux toujours rêver. Le kangourou, il a dit qu'il voulait la violer, voilà. Oh mon dieu. Oh, c'est Kratos en mode moche. Kratos, il est pas bleu, c'est très... Ça va, hein. Bah, il ressemble un peu. C'est là que tu vois la grosse vie entre le choix des personnages. Tombeau défi. Ouais bah je sais pas c'est quoi, c'est un défi et c'est tout. Hein. On fait quoi, on va dedans? Vous montez? Ah oui. Attends, on monte pas en haut pour voir s'il y a des objets? Non mais c'est la suite en haut. Ah, tu pouvais pas le dire. Bah je viens de te le dire. Ah non. Je te le dire. Alors, comment faut faire? Soutien de famille, succès. Tu se ton grappin. Voilà. Alors maintenant. Vas-y. Ton bouclier. Voilà, comme ça. Vas-y. Ton grappin. Il n'y avait que ça.
Ah, y'avait que ça? Bonus des coups. Ah, amélioré. Munition améliorée. Ah, ouais, ok, d'accord. Moi, j'ai que dalle. Ouais, munition améliorée avec lance. Ah, oui, non. Vas-y. Vas-y. Tout ça pour un truc pour toi, alors moi. Eh putain, l'enculé! Ah, fils de macaque! Non, mais bon. Bon, j'espère que c'est bientôt la fin de la vidéo de la mission. Je sais pas. Bon, on avance un peu et on verra. On avance, de toute façon, c'est la première vidéo. Ouais, voilà. On a eu un peu, on a eu 5 minutes expliquées avant la vidéo, donc on rattrape là si on fait. Bah ouais. Allez, les gars! Là-bas. Tout ça pour une amélioration à chaque fois? Et ça va être quoi? Ah, encore une amélioration à toi, évidemment, hein? Non, c'est pour tous les deux, c'est l'amélioration. Ah, ok. Vas-y, passe. Ah, faut aller chercher la boule. What? Attends. Ah! Quelle pute! Mais tu l'as fait exprès, hein? Ah merde, j'étais sur une plaque! Non mais j'ai pas vu. J'ai même pas vu. Tu l'as pas vu. Genre, tu l'as pas vu. Non mais je te jure, j'ai pas vu. Ah mais genre, tu l'as pas vu. Pourquoi t'as pris la boule? C'est moi qui devais la prendre. Et après c'est moi qui est con. Bah qu'est-ce que je fous ici alors? Vas-y, maintenant passe. Ok. Vas-y, go. On se casse. Oh, les améliorations, on verra à chaque début d'épisode. Une rareté. On raconte que ces reliques ont été forgées par les dieux pour offrir la puissance aux guerriers méritants. Mais on s'en fout! On a eu une relique. Vas-y, je t'attends. Ok, vas-y. Vas-y. Ça fait quoi ça? Vas-y. C'est quoi les trucs qui tombent là? Ah, c'est juste pour un crâne. Bon, attends, je me prends les points. Hein. Hop. Non, mais t'es con! Ah, mais en plus, on part tous les deux. C'est toi qui es con. Pourquoi je suis tombé? Mais c'est toi qui es con, pourquoi tu es passé là-bas? Et moi, bah oui, de toute façon, qu'est-ce que je suis allé foutre à tomber par terre, moi? Bah, faut récupérer le truc. Mais tu restes tenir, t'as pas besoin de venir. Mais retiens le truc! Retiens le truc! Il est fou! Et en plus, y'a rien, y'a plus rien. Oh putain. Oh là là. Soliste. T'as une merde. Non, mais de toute façon, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça tombe très bien. Ouais. Mais tu crois qu'on va revenir là où on était? Oui, on pourra, t'inquiète pas. D'accord. Tu me parles d'une fin de vie de merde, hein? Une déco. Normal! Oui, alors je vous annonce que celui-ci, il a une fâcheuse tendance de déco Wilco sur le live. C'est faut s'y habituer. Voilà, on va se quitter sur cette merveilleuse star. Okay. Merci à tous d'avoir. Alors, on n'a pas encore de page Facebook, il faudra qu'on la fasse. On aura bientôt un Twitter, d'ici que la vidéo soit mise, il y aura le Twitter, donc le lien sera sur notre YouTube. Ouais, enfin bref, on aura peut-être un Twitter, peut-être une page Facebook, enfin, on aura peut-être ce qu'il faut dans la description qu'on mettra, ou il y aura peut-être voilà, rien du tout. Pour nous suivre, voilà, il y aura un Twitter sûr. Donc, merci à tous d'avoir suivi notre épisode, et on se retrouve la prochaine fois. Ouais, donc ça sera pour tous les dimanches, là, ça va être samedi la vidéo, mais tous les dimanches, il y aura un épisode de ce Let's Play. Donc voilà.
Bah, allez, à la prochaine. À la Salut! prochaine!